Le pénitencier de Joliette est une prison fédérale pour femmes qui est devenue un des 400 d'éclosions majeures de coronavirus dans la Naudière. Parmi les agents correctionnels, 31 ont contracté le virus. Tous ceux qui ont été en contact avec eux ont été testés. La santé publique surveille la situation de très près. Parce que pour nous, c'est un danger qui, évidemment, qui transmet le virus dans la communauté près de Joliette. Donc, évidemment, on leur demande de se mettre en isolement le plus rapidement possible. L'établissement a une capacité de 130 détenus. Jusqu'à maintenant, une dizaine d'entre elles ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19. Oui, j'ai des inquiétudes. Il y a beaucoup de filles présentement qui ont été contaminées par le coronavirus. Martine fait partie des détenues qui ont communiqué avec nous pour nous faire part de leurs craintes. Comme moi, dans le fond, j'ai été transférée dans une unité où est-ce qu'il y a déjà eu une malade, qui ont mis des gens en santé dans l'unité des malades pour prendre les malades et les mettre dans une autre unité. Rien de rassurant pour les détenus qui sont plus âgés, comme Mary. Moi, j'ai 61 ans. Ça m'inquiète pas mal. C'est dépressant. Quant à Anne? Présentement, nos droits sont totalement bafoués, comme je peux vous dire. Ici, on a la cour qui est supprimée. On veut pas, on est enfermé dans nos unités 24 heures sur 24 depuis plus qu'une semaine. Elle songe déjà à poursuivre le service correctionnel pour le sort réservé aux détenus durant la pandémie. Sincèrement, présentement, on se sent un peu comme des animaux à l'abattoir qui attendent d'être mourants, là, comme on pourrait dire, là. Il y en a ici qui ne restent plus beaucoup de temps. Comme moi, il me restera presque 6 mois à faire. Ce serait ridicule de ne pas nous laisser aller dans le fond, là. Cela fait d'ailleurs partie des propositions faites par la Ligue des droits et libertés pour rendre les prisons fédérales et provinciales plus sécuritaires. Si, évidemment, il y avait moins de monde dans les prisons, bien, il y aurait plus de possibilités que le confinement soit moins dur. Sortir les détenus qui ne représentent pas un risque pour la société, accélérer les libérations conditionnelles et limiter les incarcérations, voilà donc les propositions faites par la Ligue des droits et libertés pour désengorger les prisons et surtout limiter la propagation du coronavirus. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Joliette.